Salut à tous, c'est Xéon, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo. Là je suis à Flemmes, donc c'est une station de haute altitude. Donc je vais vous montrer quelques vidéos sur les pistes rapidement. Et ensuite, dès que je rentre chez moi, donc je vais vous montrer la MRT. Parce qu'il y a le carbu de 36, donc le Kehine. Donc ça watt bien, ça watt plutôt bien même. Après niveau conso essence, je sais pas encore, mais ça va être monstrueux. Donc je vous rassure, hein, je fais pas des trajets quotidiens avec. La MRT, moi, c'est vraiment pour le loisir. Je veux dire, je sors le mercredi, le week-end, je fais des petits trajets, voilà. Bah, tout simplement pour m'amuser, quoi. Parce que maintenant, faire de la route pour faire de la route en roulant à 45, c'est bien quand on a sa moto au début. Je veux dire, personnellement, moi, au début, quand j'avais ma moto, je faisais beaucoup de route. Tout simplement pour faire de la route, voilà. Donc en roulant à 70, voilà, des conneries comme ça. Et j'étais très content. Bon, maintenant, ça m'a passé. Donc si c'est pour rouler pendant des heures à 70, ça m'intéresse absolument pas. Donc je préfère rouler 20 minutes le mercredi, le samedi et le dimanche. 20 minutes par jour. Et me faire vraiment plaisir avec des bonnes axelles, des pointes, etc., quoi. Voilà, après c'est un point de vue et je peux comprendre que certains ça ne les intéresse pas, voilà, mais ça c'est pour ma vision des choses. Donc le carbu de 36, bah évidemment faut que je le règle parce que j'ai pas eu le temps de le faire. J'ai manqué de temps pour tout en ce moment. Donc voilà, donc faut encore que je règle le 36. Mon PC il m'a lâché, donc il avait plus de 5 ans, il est mort. Donc pour m'occuper de la chaîne YouTube et de la page Facebook, c'est pas facile. Donc répondre aux commentaires, répondre aux messages, publier sur la page Facebook et tout. Bah du coup c'est un peu compliqué. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Bah faut que je règle le problème du PC. Faut que je règle le carbu 36 aussi. Puis je sais plus après. Ah si, il fallait que je vous dise aussi pour les moteurs, donc pour ce qui est des préparations moteurs. Sur Facebook, vous avez été nombreux à me demander et je vous ai répondu que j'étais plein, que je n'avais plus de place. Ce qui était le cas. Et maintenant, quand on me demande, je réponds que je n'ai plus le temps. Ouais. Il m'a fait vachement peur. Voilà. Donc maintenant je réponds que je n'ai plus le temps parce que bah, j'ai plus tout le temps en fait. Entre le travail scolaire, les vidéos, etc. Voilà, bah, j'ai plus le temps en fait. Mais voilà, tout ça pour vous dire que du coup la préparation moteur, je fais une pause là. Surtout qu'au début, si j'avais repris la préparation moteur, c'était pour me repayer un 86 après le serrage du mien. Mais comme vous l'avez vu dans mes vidéos, j'ai pu réparer mon ancien 86 en ponçant, donc au papier de 600, 800. Le cylindre là où il y avait les rayures et le piston là où il y avait les rayures, j'ai tout remonté et ça a remarché nickel. Du coup voilà, en fait j'ai pu garder tout cet argent bah pour déjà je me suis payé quoi avec carbu de 36, je m'étais payé avec les prépa moteurs, mais c'était à l'époque. Et là bah avec cet argent bah du coup je vais peut-être me racheter un PC, voilà, parce que ça coûte cher un PC quand même. Donc voilà, bah, je pense que je vous ai tout dit. Je vous envoie quelques vidéos sur les pistes. Ensuite on va rentrer en Normandie, parce que là on est dans les Alpes. Là on est un peu loin. Un petit peu. Donc. Ah putain. Donc après on rentre en Normandie et je vous montre un petit peu bah, la MRT, quoi. On repasse sur la moto normale. Allez, c'est parti.
Bon alors, vous voulez le voir et l'entendre ce petit 36? Bah moi aussi. Parce qu'après une semaine sans moto, c'est pas facile. Donc bah écoutez, là j'enfile mon cuir, je fais de l'essence, je prends quelques outils, puis c'est parti. Là, ça fait une semaine qu'elle n'a pas démarré. Je viens de remettre de l'essence et tout, donc on va voir bah, si ça démarre. Voilà, donc vous avez vu qu'elle a démarré du premier coup de kick sans starter, donc c'est parce qu'elle est elle est trop riche. Voilà, donc là je suis en train de prendre quelques outils pour le réglage carbu. Hop, non, j'ai besoin de ça moi. Tac, donc là j'ai des gicleurs, donc c'est des motoforce que j'avais avant, enfin que j'avais acheté. Pour mon carbu de 28 Motoforce que j'avais à l'époque, que j'avais donc avec le 80 Hersal au tout début, avant d'avoir le 28 VHST. Donc je vais voir si avec ces gicleurs j'ai moyen de trouver le bon réglage. Donc c'est des gicleurs de 148 à 170. Voilà. Premier tour de roue, donc bah là je vais essayer de faire une pointe, mais vite fait hein. Parce qu'avant j'étais trop riche, là je dois être trop pauvre. Donc les gicleurs que j'ai ne vont pas suffire, c'est-à-dire que moi j'ai des gicleurs de 145 à 170 et il me faudrait des gicleurs dans les 190. Enfin bref, on verra bien. Yeah.
Et que voulez-vous quand on n'a pas les bons hitters, ça marche pas. Voilà. C'est tout, c'est comme ça. Hop, donc la MRT du poteau qui passe en 86. Bref, donc comme ça on est tous les deux en 86. Enfin, il le monte demain, donc je vous montrerai ça. Et puis quoi d'autre, il a le MVTDD aussi, donc qui va monter. Voilà, donc on va suivre tout ça. C'est vrai qu'il est très grand. Ah, la GoPro s'envole. Hop, moteur retiré, on va pouvoir faire la vidange et l'ouvrir. Donc là, pour finir les réglages, ça va être compliqué parce que j'ai mon roulement arrière qui a éclaté ici. Vous voyez, donc mon roulement, il s'est barré. Voilà. Donc je suis un peu dans la merde. Faut que je remette un roulement et tout. Faut que je vérifie qu'il n'y a rien de cassé aussi. Parce que du coup, il est sorti et tout. Mais moi, j'ai roulé comme ça parce que j'avais pas senti au début. Ensuite, je l'ai senti. Donc voilà. Donc là, je suis sur la fin du montage pour vous montrer le carbu de 36 rapidement. Donc comme vous l'avez vu, j'ai pas les bons gicleurs, donc il va falloir que je trouve les bons pour pouvoir finir les réglages. Et il faut aussi que je commande des roulements de roue arrière, parce que forcément là, moi je peux plus rouler avec ça. Il a totalement éclaté. Donc j'achète ça, les gicleurs, et ensuite je vous refais une vidéo, donc j'espère avec le réglage carbu... nickel, pour pouvoir voir un peu ce que m'apporte le carbu de 36. Donc à ceux qui diront que le carbu de 36 c'est n'importe quoi et tout, je suis entièrement d'accord, mais bon, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est juste un kiff, quoi, voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un petit pouce bleu, à passer voir ma page Facebook aussi. Voilà, salut à tous.